Fanny. Faire comme les gars avec leur Scully. Scully. Tu m'as Scully. Crié pendant le. Enfin la voiture. Titi. On va leur faire un montage du séjour et on va leur envoyer. Voilà votre merde là. Tu veux qu'on revienne à ton concert? Et bah tu nous héberges, tu nous emmènes. Tu fais un truc spécial là. Tu nous loues un tourbus. Pas de problème. Tu lui dis que. Mon panier, hein. Drôle les mecs, hein. Et on est en panne en plus. Tu vis une nausée? Non, mais voilà, faut quand même raconter l'histoire que. On est à Amsterdam, coincé en panne. Et on s'occupe comme on peut. C'est en panne, voilà. Des pralines. Un magnifique panier à. Je faisais partie de la galère aussi. De... Voilà. Anaïs, ça y était aussi. Voilà. À fond dans la galère. Voilà. Amsterdam. Les voitures, on attend la dépanneuse. Ah ouais, qui ne vient pas. Ouais, ça fait une demi-heure. Hello, voilà. Nous sommes. Hello. Donc, si quelqu'un est preneur, nous avons un panier bien garni. Je suis seule au monde. Ouais, bah là, on est dans la merde. Hein. On est seule au monde. Bah là, merde, hein. On est trois au monde. On va lui faire comme eux quand ils vont monter le machin là pour la dépanner. Mais c'est la même. C'est ça, on va leur dire. Bon, elle s'appelle comment ta voiture? Titine, salut Titine. Non mais je pense que j'avais même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé ça. D'habitude, mon père, il me dit tu fais gaffe à ma voiture, et ben il aurait pu me le dire. Parce que quand il dit tu fais gaffe à ma voiture, il n'y a aucun problème. C'est trop stylé. Normalement dans la journée on peut partir. Heureusement que les voitures françaises ça se vend partout. Hein. Au moins il y a un garage Renault. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the blood. That's the end. Beautiful. Mais dans le taxi. On est dans un van. On arrive. Après quelques heures de guerre. On est encore là. Et oui, nous sommes actuellement coincés à Alphen. Nous on a perdu notre la voiture, en mode on fait avec les moyens du bord, on revient en train sur Amsterdam. Parce qu'en plus, on a laissé notre voiture, enfin la voiture de Fanny à Amsterdam. Voilà, les gros boulets. Et on n'a plus qu'à attendre demain. On se retrouve à attendre le RER, super. Et après, on va aller chercher une auberge de jeunesse et se balader dans le centre.
Et dormir. Formidable. Accessoirement. Ouais, et dormir. Ouais, dormir. Non, je pense que ça va être l'autre voie ouais, parce que j'ai ça va être l'autre voie, c'est là. Ouais. Ouais, c'est voie 2. Direction Leiden c'est et après 2. Amsterdam. Je m'approche de trop, mais je vais zoomer.